Salut à tous, c'est Evilman. Vous êtes un valeureux Space Marine et vous avez nettoyé l'enfer à coups de shotgun plus de 10 fois dans le passé. Vous savez mieux vous servir d'un lance-roquette que d'une calculatrice scientifique et avez une préférence vestimentaire pour le vert fluo. Alors ça tombe bien, Marines. Vous avez tout du candidat idéal pour vous lancer dans l'expérience la plus extrême du first-person shooter, l'expérience Evolution. Nous sommes en 1995, le phénomène Doom ne cesse de contaminer les joueurs tout autour du monde, et la sortie quelques mois plus tôt de Doom 2 ne fait qu'accélérer ce processus de succès interplanétaire. Ayant saigné à maintes reprises le jeu original ainsi que sa suite, une équipe de talentueux modeurs, la team TNT, décide de poursuivre le travail d'id Software en se lançant dans la conception d'un épisode à part entière reposant sur les bases de Doom 2. Destiné à être publié gratuitement pour les joueurs et contenant pas moins de 32 niveaux présentant des nouveautés et une difficulté accrue pour les plus téméraires, Evolution fait rapidement parler de lui et John Romero lui-même s'intéresse de près au projet. Une fois la conception terminée, le lead designer d'id Software propose un contrat à la team TNT visant à racheter leur travail pour le publier officiellement comme extension de Doom 2, accompagné d'un projet indépendant réalisé par deux membres de la team, les frères Casali, le fameux Plutonia Experiment. Malgré leur promesse de mettre gratuitement à disposition leur travail, la team TNT accepte la proposition de Romero, et c'est ainsi qu'après quelques retouches de la part d'id Software, Final Doom, compilation regroupant Evolution et The Plutonia Experiment, voit le jour et se voit édité à travers le monde, présenté comme l'expérience ultime pour tout fan de Doom. La suite est simple à deviner, le succès est important, et malgré quelques fans déçus de la promesse brisée de la team, le travail effectué est unanimement salué par tous. Level design hors normes, difficulté extrême et prolongement efficace du jeu original, Final Doom est passé du projet amateur au succès commercial indispensable à tout joueur en manque de sensations fortes. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours d'histoire et que vous en avez surtout appris plus sur la team TNT, un nom essentiel à connaître pour tout fan de Doom qui se respecte. Cela dit, c'est pas une biographie que je souhaite réaliser avec cette vidéo, mais bien une démo de gameplay pur et dur. Donc je vous ai sélectionné selon moi la meilleure map du jeu, une des plus difficiles en tout cas, qui s'appelle Stronghold et qui fait office de 9ème étape de l'aventure. Alors au programme, Heavy Metal, Secret à Gogo et bien entendu, Massacre à la chaîne. Du pur Doom comme on l'aime. Accrochez-vous, ça va saigner, let's rock! Ok, nous voici dans Evolution. Bon, je vous ferai un petit détail de la map tout à l'heure. Là, pour l'instant, je vais juste essayer de survivre au premier assaut. Parce que dès le début, ça déconne pas, quoi. Et surtout, je compte sur vous, ouvrez bien vos petites oreilles. Et écoutez-moi ce qu'on se prend dans la... Ce qu'on se prend dans les cages à miel, parce que franchement... Un midi pareil, composé à l'époque par des amateurs, c'est littéralement... C'est incroyable. Donc je sais pas comment c'est possible, mais franchement, c'est l'un des meilleurs midis que j'ai pu entendre, ce type, donc... Fantastique. Fantastique, j'en suis toujours bouche bée. Là, si on aime le métal, si on aime Doom, c'est un orgasme, donc bon. Allez. Donc, cette map, 297 monstres, s'il vous plaît. Alors pour rappel, dans Doom 1, le maximum c'était dans les 130, donc voilà quoi, rien que pour vous dire, Evolution c'est vraiment pas fait pour les petites natures, hein. Faut vraiment avoir du sang de viking pour espérer le terminer en ultra violence. Donc 11 secrets aussi, ça déconne pas, donc j'espère que ça va bien se passer parce que cette map est très difficile. Allez, let's go, soyons héroïques. Moi je dis, tant qu'on a des balles de shotgun, tout est possible. Vous voyez, je vais changer d'avatar sur YouTube. Je vais mettre une affiche publicitaire comme la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ensemble, tout devient possible. Il y aura une photo de moi avec un shotgun sur Doom. Parce que sinon, sans lui, j'avoue que c'est très difficile. Bon, alors surtout aussi, regardez bien le level design général de la map qui c'est pareil, qui enterre littéralement celle de Doom 1 et 2 combinées. C'est incroyable. Alors là, je précise, ils sont derrière une vitre, ils peuvent pas nous voir, c'est pour ça qu'ils me tirent pas dessus. Sinon, ce serait un peu curieux. Alors là, bien gaffe, c'est chargé d'ennemis.
bruyère. Bon, ça c'est réglé. Voilà, gaffe aussi. Moi ça va, j'ai l'avantage de connaître, on va dire, les emplacements des monstres, mais même avec ça, ça reste très difficile vu le nombre d'assaillants qu'il y a, quoi. On s'en prend littéralement des pleins la gueule tout du long. Donc, même quand on connaît bien le jeu, faut quand même être un très très bon joueur de Doom pour finir Evolution en Ultra Violence. Et surtout être très motivé, parce qu'on meurt souvent. Je peux vous confirmer, vu que je l'ai refait récemment avec 100% de secret. C'était un challenge mémorable. Alors en Nightmare, j'en parle même pas, avec les créatures qui revivent. Là... Désolé, je ne suis pas fou à ce point. Je pourrais essayer un de ces quatre, mais bon... moi, le Nightmare, comme j'ai dit, j'aime pas trop, quoi. Faire revivre les monstres, je trouve pas ça super intéressant comme difficulté. J'aurais limite préféré qu'ils fassent des dégâts complètement abusés, mais... mais ouais, non. Les monstres qui revivent, je trouve pas ça super intelligent. Quoi. Ok. Voilà, gaffe. Ça charge de partout, là. Heureusement, quand même, la musique, vraiment, mais elle motive bien, quoi. Enfin, je sais même pas quoi dire, quoi. J'adore la bande-son de cette extension. Je l'adore. Littéralement, je la surkiffe, quoi. C'est Doom, mais à 300%, quoi. Donc là, gaffe aussi. Yeah. Ok, ça c'est réglé, c'est bon. Alors là, on va passer par là-bas. Hop. Ok, nickel. Alors, un secret. Alors, les secrets sur cette map, c'est important de tous les trouver, sinon... c'est vraiment très difficile de le terminer, vu que les bonus... le moins de bonus est vraiment très 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 important, quoi. Donc, bien penser à les récupérer et à essayer de les trouver, surtout. Alors... là, j'aime pas du tout cette zone. Pareil, c'est très dur. Ah, je m'en suis bien sorti, là. Ok. On active ça. Alors là, on peut récupérer en courant très vite le medkit et redescendre. Parce que là, vous avez entendu, ça rugit derrière moi. Alors, ils sont bloqués, hein. C'est des petites fenêtres pour juste espérer qu'ils nous touchent. Ouais, évidemment, je les évite. Je m'en chargerai après. Alors, là, ça c'est descendu, on peut aller là. On active l'interrupteur. Ça lève ça. Récupérer le soin et surtout la clé rouge. Alors, ça c'est bon. Ça, c'est descendu. Ok, c'est réglé. Donc maintenant, la clé rouge, voilà. Vous voyez un peu la complexité quand même du level design, hein. Là, il y a beaucoup d'allers-retours à faire, beaucoup d'embranchements différents. Ça rigole pas, hein. Les maps sont très grandes. En fait, je trouve que voilà. Alors là, la boucherie. J'ai pas de lance-roquettes, c'est dommage. Et je crois que je vais laisser se battre un peu entre eux. En fait, voilà. Je trouve que par rapport à Doom 2, qui a des maps très grandes, mais très vides, bah Evolution, il a des maps très grandes, mais super bien remplies, quoi. C'est vraiment ça que je critique sur Doom 2, personnellement. Je trouve que les maps sont beaucoup trop vides. Trop grandes et trop vides. Donc, résultat, bah souvent, je m'ennuie dessus. Alors, voilà, gaffe. À partir de ce point là, c'est plus simple. Alors je sais pas si vous avez noté aussi, j'ai commencé la map juste au pistolet, hein, donc pas d'armes disponibles dès le départ, ça ne fait qu'ajouter la difficulté.
Alors. Bien gaffe ici. Oh yeah. Ok. Là on peut passer là, on peut récupérer le berserk si on veut, moi j'en ai pas besoin mais je vais te prendre après. Parce que je vais manquer de vie je pense au bout d'un moment. Alors ok, là ça ramène là, d'accord. Voilà. Là il y a un truc comique, regardez bien. Ce démon c'est le seul de la map. Le pauvre il est bloqué ici, c'est un peu le vilain petit canard. C'est assez marrant quand on voit les statistiques, c'est le seul. Voilà, gaffe. Ok. Ah. Faut bien faire gaffe parce que là c'est une zone qui est très très dure. Ouais. Allez, en mode bourrin. En mode bourrin. Ok. Et voilà, là je récupère le berserk. Parce que là j'en ai besoin. Hop, on retourne par là. Oh là là. Oh, cette boucherie sanguinolente. C'est vraiment un pur régal. Donc là, bien faire gaffe. Regardez bien comment je fais. Vous voyez, pour les attirer, pour qu'ils me voient, parce que sinon on se fait prendre entre deux feux. Alors là, c'est l'horreur. Allez, crève. Wow. Ah bah putain. Bon, ça va, je m'en sors pas mal, là. Je m'en sors pas mal, c'est bien. Alors, un petit secret, ça fait du bien. Encore un autre. Voilà, voilà, vous voyez, ce genre de zone, il faut vraiment... faut vraiment passer dedans, hein. C'est indispensable, quoi. Si vous voulez finir le niveau... sans mourir, enfin, du moins en essayant, c'est indispensable d'avoir tous les secrets, parce que les bonus sont très très importants, quoi. Donc là... Allez. Crève. J'en ai eu combien là? 224. Hey. Ah, ça augmente vite hein, quand même. Hein. On tire tellement à fond à la caisse qu'on fait même plus attention, quoi. Bon. Alors là, par contre, j'aime pas cette zone, parce que eux, au bout, ils en profitent toujours pour vous placer une bonne bastos. Voilà, nickel. Un autre secret. Tac. Bah, Evolution, c'est plus qu'un jeu, quoi. C'est une épopée fantastique. C'est un voyage homérique, quoi. Alors, franchement, c'est... Vous voyez, quoi. C'est action, mais à 400%, quoi. Ça arrête pas. Alors là, un autre secret. Ah, c'est pareil, les secrets, ça déconne pas. Hein. C'est pas des petites... C'est pas des petites zones à la con, là c'est carrément des grosses zones hein, qui vous proposent. Donc. Hop. Ah, gaffe. Secret révélé, ok. Ouais, ça va, je m'en sors bien. Là. Bien. Alors, ça c'est récupéré, ok. On va prendre l'autre. Ah, mon meilleur ami.
Donc ça ramène au début. Je monte juste. D'accord, d'accord. Alors. On peut s'en aller là. Ah, c'est musclé là quand même. Ça s'est récupéré. Les bleus. Alors là, attention, là, j'aime pas ce passage. Très très chargé. Ok. On récupère les petits items. Non mais attendez, elle est quand même géniale la musique, vous êtes d'accord quoi, c'est... Les solos et tout là, mais... Même des groupes de métal, ils font pas aussi bien quoi, certains, c'est... Enfin, franchement, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des covers, il y a un mec qui l'a fait plutôt bien. Je vous mettrai un petit lien pour l'écouter. Mais il y en a pas beaucoup, parce que bon, l'extension est pas... voilà, elle est beaucoup moins populaire que Doom 1 et 2 quoi. Mais c'est dommage parce que, voilà quoi, c'est un morceau, mais... Enfin, il est carrément meilleur que toute la bande-son de Doom 1 et 2, quoi, c'est... Et c'est amateur. C'est amateur. Ah bah, j'ai fini. 297, 297, 11, 11, j'ai bouclé. Oh là là. Oh, c'est une charcuterie, sérieux. Oh. Hey, plutôt pas mal. Surtout Ultra Violence avec tous les secrets. Ouais, je m'en suis pas mal sorti là quand même. Bon, eh bien écoutez, donc voilà, pour ce niveau c'est terminé. Et pour ce petit aperçu aussi. J'espère que ça vous a plu, donc j'espère surtout vous avoir convaincu de jouer à Evolution si vous ne l'avez pas déjà fait. Et que vous aimez Doom. Franchement pour moi c'est la meilleure collection de niveaux qui soit sorti pour tous les jeux Doom old school quoi. Pour moi ça surpasse Doom 1, ça surpasse Doom 2 et ça surpasse toutes les autres extensions que j'ai pu jouer. Donc vraiment c'est un gros classique pour moi et j'espère vous avoir bien convaincu de sa qualité. Voilà. Alors je fais un petit point juste vite fait sur la musique là qu'on entend en arrière-plan. C'est une musique qui a été strictement copiée de bout en bout sur le célèbre groupe de Heavy Gravedigger sur l'album Heavy Metal Breakdown et du titre Legion of the Lost. Donc vous irez l'écouter, c'est exactement le même morceau et c'est quand même plutôt sympa d'avoir fait ce petit clin d'œil. Voilà. Donc bon, voilà, l'aperçu d'Evolution c'est terminé. Jouez-y, défoulez-vous bien et surtout, bon jeu à vous. Allez, à plus.